Balinda kungula fi televizio na banza ete lelo yo toko beta masolo ezalaki bongo ba suggestion pe ba message na bino parce que tout manai ko beta masolo lelo yo après le pouvoir est succédé na kati République démocratique du Congo kota la wapi République démocratique du Congo souci ezali ko atteindre émergence ko atteindre développement ya mboka oyo ete congolais nyo soit ba ko vivre na kimia congolais nyo soit ba ko lia ta lipa na kimia mais est-ce que ba pouvoir nyo soit leki na kati République démocratique du Congo oyo et aider et permettre congolais à atteindre émergence to développement oyo congolais ko senga même bande ko na biso est lelo kutu ba ko lela kutu kimia ya pamba oyo ba ko zwa yango te la rien que la paix bande ko na biso est ba ko senga mais ana ki bongo grande thématique oyo fallait ko komeka un peu ko sulula na yango ko tala wapi balobaka ete likambo songo ezo kende esengeli ko se référer d'abord dans le passé ko fouiller d'abord na passé pour que to eba est ce que République démocratique du Congo ko tambola malamu to e ko boiter encore. C'était une grande question de savoir pourquoi est-ce que le président, le feu maréchal, le Mobutu avait parlé que après Yé, ça serait le délige. Ils allaient beaucoup plus y'a Koeba, casquette y'a dictature, ils allaient porter par maréchal Mobutu, les pour et les contre. Est-ce c'était vrai, maréchal Mobutu dictateur? Est-ce politique y'a maréchal Mobutu? Il y a moins que ça là été bah répercussion auto kobenga même na il français bah retomber et kozonga lelo yo na kati République démocratique du Congo. Est-ce si Mobutu était là on allait vivre ce qu'on est en train de vivre dans l'est de la République démocratique du Congo? Mais fallait revenir, fallait que ça la moins retour à l'authenticité ndenge tokota la masolo eko kendele lelo Congo Live Television comme nous disons toujours que tozalaka toujours na ba bonne personne à la bonne place na ba thématique eko senga bato otobeta na bango masolo wana tokobeta na bango masolo parce que aujourd'hui nous avons une madame qui est issue d'une grande famille de ces grands hommes que nous disons Mobutu maréchal. Aujourd'hui avec elle nous allons parler de la situation politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la grande question. Est-ce aujourd'hui, 32 ans après Mobutu, Laurent a succédé, Joseph a succédé, aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce que le pays est en train de continuer à vaguer sur la bonne route où le pays a dérouté? Biswa Tolobaka été mwana mboka mbote nayo. Mbote, déco. Nabanza été ba Congolais ba kolanda biso. Tous ces Congolais qui sont en train de nous suivre en ces nets moments, les diasporas, là je salue la grande communauté du Canada, je salue la grande communauté de la France, de l'Afrique du Sud. Il y a quand même des têtes. Aujourd'hui j'étais au moins les noms. Mais je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre parce que Congo Live Télévision, c'est une machine, c'est une famille. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléspectateurs, nous vous disons un grand merci pour cette confiance que vous nous faites aujourd'hui. Moi, je me dis, je vous laisse l'honneur de vous présenter à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Comme ça, ils vont savoir qui nous allons partager cette émission d'aujourd'hui. Bandeko, mbote d'abord du susu. Je kombo nanga ezali Sandra, Sandra Tana. Je suis nazali mwana ya maman Kenga, koko ya Kenga. Je crois que na émission ya commémoration bo mona ki maman leka ki na télévision. De nazali représenter famille Fulgence Kenga de Mbandaka. Fulgence Kenga de Mbandaka oyo lelo yo tango to kobeta masolo ya Mobutu. Bah, affinité ni zalaki entre famille Kenga na famille Mobutu. Bah, affinité. Comme l'a dit ma mère, Mobutu c'était le frère de son père, qui est mon grand-père. C'était le fils. C'était tout quoi.
bazalaki na bondeko na famille na bango ndenge bazalaki bakoli ti na ndenge ya komi chef de l'état donc il était tout papa yaya mwana donc c'était un peu ça. Il était tout aujourd'hui pour vous et parce que lelo to kota la parce que biso sika wa to kota la parce que zalaki situation yo to ko laxana ba téléspectateur parce que nous disons ici la bonne personne à la bonne place tant to beta masolo ya Mobutu singela ko zo moto azali pen proche ya feu maréchal Mobutu lelo to zali na yo mona mboka to ko beta masolo ya mboka et pa wapi ce to kota la malamu situation en République démocratique du Congo, mais la plus grande question, pourquoi est-ce que Mobutu avait dit après moi ça sera le déluge? Bon, pourquoi le Baki après lui ce sera le déluge? Moi je crois que en tant que politicien, en tant que visionnaire, à comprenant qui que Zaïrois ou Congolais, Tokoma Kina nous a maturité politique moroté. Parce qu'à un certain moment, Tokotaki, nous avons la démocratie. Parce que le vent y avait soufflé à partir, il y a chute et un mur à Berlin. Donc nous, on était obligés de basculer dans la démocratie. Mais est-ce qu'à l'époque, dans le contexte, on a tous allés qui préparaient. Mais je crois qu'à Seronda, il y a tous allés qui prêtaient. Tous allés qui prêtaient. Il s'est dit à mon acquis que, comme tout père, pas nous, bah, nous prêter à Kokota, à Kati, à combat. Parce que le lot, toujours au monde, ce que nous avons la démocratie, et comment appelle libertinage. Je me suis dit que je suis parce que je suis dit que je suis dit que je télévision dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que au nom de la démocratie. L'autre Zomona, ceux qui ont fini mon condi, a aucun même pas pour se défendre. Alors que Zomona n'a pas un beau comme Soussou, la personne du chef de l'État a protégé Rangoon. Aux États-Unis, je crois récemment, bon, tu côtes là, ce qui s'est passé, un journaliste, qui a menacé le président, l'actuel président Biden, a été tué parce qu'il faisait des menaces à la chef d'État. Alors nous, le problème, quand il dit ça, il voit que c'était prématuré pour nous. Et je crois que les conséquences aujourd'hui nous montrent que c'était pas, on n'était pas prêt à Yarokota n'avant Otozan Angolelo. Aujourd'hui, na Congo Otozan a, je ne sais même pas compter les nombres de partis politiques Otozan Angolo. Otozan a plus de 1000-1500 partis politiques, plus ou moins 1500 partis politiques Lelo. Et qui est belé. Otozan a ba église, tu recomptes nombre ba église Otozan Angote. Moi, je suis à la Mkuna Tongo, à Komi Pasteur. Je suis vivre ba scène Moko et Zali, ma culture, ma biso et Zali inacceptable. Des pasteurs qui déclarent des enfants dits sorciers, basant la balabala, l'élo. Tout ça parce qu'il y a liberté, chacun est libre et a co-exercé une religion. Tout ça, c'est la démocratie, mais démocratie qui est mal comprise. Mais est-ce que les gens qui malheur mon côté au Mobutu à Tokolo Bayango clair à laki République démocratique du Congo qui après ngai makamono sou bokosali que simbaté donc délige vos ala carte République démocratique du Congo si nous pouvons prendre ça dans ce sens. Bon, kolaké la na indimité. L'indimité en tant que père de père, il y a Mboka O, Ndenga Linga qui Mboka O, Koka Eko Lake la Mboka O ma bete. Mais à l'oba qui n'a pas mon acquis que modèle Makambezaï Kurokende, tout ça qui n'a nous prêté, tout le monde est tombé carrément dans Makambo, tout le monde est tombé dans Go, ma exagération, ma Makamoko, Isa Susuko, ça la dignité. Par exemple, tout ce que moi je crois que à un certain moment, tout basaï qu'on confondre démocratie, n'a pas port peut-être et à pantalon. C'est ce qu'à une certaine époque, Mobutu a imposé des tenues. Maputa, nani, et qui n'a pas ton sou, peut-être n'a besoin de ta pantalon. Alors le fait qu'il y ait le Kouanezala qui se dit, là, ce qui est démocratie, moi je vais mettre les pantalons.
Mais c'est, la démocratie voulait dire autre chose dans le pays, en donc, France par exemple. Nous pouvons dire que culte, il est là, il y a quoi aimer la Mobutu, il y a quoi adorer Mobutu à la place du christianisme parce que Mobutu était contre cela. Il aimait beaucoup plus, il aimait adorer tout cela. Est-ce que Zalaki Nakatia il y a propulsé les maréchals Nakatia Mboka Nabiso. Bon, il faut dire que culte, il y a danse, il y a chant. Moi, je ne crois pas que mon condimor a fan de Raébis Mobutu, je ne sais pas. Moi, je suis tellement le Mobutu a demandé à qui est, à Yembelaye, à Binelaye. C'est, il y aura toujours une ou deux personnes. Il y a un système qui a été imposé en haut. Comme tout être humain, à un certain moment, ce qui va Yembie, ça l'aura bien, il est accepté, mais. Et puis, c'est dans nos coutumes africaines aussi, où on voit dans nos coutumes, il y a le chef qui est chanté, on fait honneur au chef. Bon, c'est dans notre culture, mais à un certain niveau, ce n'est pas. Et ça, il y a un imposé qui est en haut. Je suis un Ezali Bato, je suis un Ezali Bato, je suis un Ezali Bato, parce que les phénomènes mabanga, donc les présidents qui sont chantés dans des chansons chez les artistes et musiciens, tout cela. Donc il s'agit donc pérennisation, et ben, déjà pas à Mobutu, les présidents sont chantés par les artistes et musiciens, tout cela. Donc pérennisation, mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre une chose politique, il y a Mobutu. Il s'agit de politique et qu'on ramène le pays. Zaïre à l'époque, dans le développement, où les loups, de perdre pédale, tout ça, les qui est toujours dans la ligne, il y a politique, il y a Mobutu, il y a qui pour la République démocratique du Congo. Bon, Mobutu, je crois, la réalisation, il y a surtout à Sali, il y a une opinion, il a voulu que Mboko ait été de l'avant. Mais dans le contexte, Oye a zola qui pouvoir des ala qui est différent. Mobutu est arrivé dans ce pays dans un contexte politique moko où il y avait division au sein il y a Congo RDC, Zaïre à l'époque, Congo à l'époque où chaque tribu, chaque province, chaque région a zala qui est un leader politique moko. Un parti politique est zala qui a tendance tribale. Mais il arrive, il se dit mais Pomboka et Mata. Ata na ba village Pombore Mata, il faut poser la unité. Et lui, il a compris que pour que le RDC, pour qu'il y ait développement, comme c'est dans les cas dans tous les pays au monde, aux États-Unis, c'est des États qui se sont unis, qui fait la force des États-Unis aujourd'hui, à militer qui pour na unifier Mboka O. Politique, je crois que pour le développement, on ne peut pas être développé si y a pas, on n'est pas uni. Si on n'est pas uni, je ne vois pas comment est-ce que. Parce qu'aujourd'hui, unité wana oyé imposé kibiso na Congo, motauti Katanga, motauti Congo central, aye na Kinshasa beaucoup tani, motakoki kokende na Katanga, na savoir faire na ye, a komikuna a fandi, a posé qui, je crois, fondement y a développement il a fait. À part ça, il y a eu des réalisations telles que le barrage de Inga. Aujourd'hui, l'électricité des Ali base il y a développement. On peut parler de développement que si l'électricité il a fait Inga, il a fait le stade Kamagnola, aujourd'hui stade de Martyr. Aujourd'hui c'est le stade Omnisport. Donc il a quand même fait il y a la RTNC. Tous ceux là. Et la réalisation à ça qui voit l'inga qui est mboka oyo et qui est de l'avant. Mais moto na mokili tant wayaka na bokondi azalaka la mission nzamba pesaka. Moi je crois que la plus grande mission à Mobutu ezala qui d'abord ya ko unifier mboka o tous ala liboke ndenge mboka bandai ko sala toujours to lingana tous ala na o babengara na lopoto le vouloir vivre ensemble o tous ala ngo lelo. Les lots congolais n'ont surtout à l'ingaka, à tout n'a qu'à te, au yosa mutambo kani, tout le zarakaka, aux années poto comme il y a eu les années où les congolais wapi, luka tu vois bah congolais, au congolais à Kinshasa, tout l'inganaka. Je crois qu'il a posé fondation et développement. Fondation et développement. Et puis
ba kondio mususu baye mutla moto asa la part naye ndeko même action na développement otoza ko kolinga mais lelo parce que ezali la grande question to ko s'est posé lelo par rapport à la situation est République démocratique du Congo to monaki quand Mobutu était là la République démocratique du Congo était respectée via ses voisins ou basalay tout autour naye mais aujourd'hui le Rwanda ou yakomi ko s'aventurer dans la République démocratique du Congo est-ce parce que fragilité wana et ou ta qui na chute ya Mobutu to est-ce aujourd'hui quelle politique sécuritaire oyo ba kondelo ba oui utiliser pour que la République démocratique du Congo ezongi la respect na mwezala ki na époque ya Mobutu bon mais je crois que mon conduit à Zalé, le président Félix Antoine Tshisekedi, je crois que c'est ça mon salva Zosala. Récemment, on a parlé de renforcer l'armée. Mbokanyon, surtout pour Naïtelema. Il faut armer, dengue agression, il faut armer à la forte. Agression, il y a agression, tout en langue à Est, surtout que c'est une agression imposée. Alors, Bissopo na Tozon na respect, on doit travailler, on doit se mettre ensemble. Ce n'est pas seulement l'armée, ce n'est pas seulement les politiques. Congolais nyon sodou. Et si Kazali, il faut à ça l'effort que Mboka na Bisso ezonga. Par exemple, Naza et Sika na ebi ke bazo comploté contre Mboka nanga. Soit la petite information. Na sali pe musala na ide Mboka nanga. Zaka a problème, il y a chef de l'État, il problème, il y a Congolais nyon sodou. Mais, azo sala be fort rebelle. Aujourd'hui, on parle de l'armement, la réforme d'armée. C'est vrai qu'à un certain moment, tout ça qui est fragilisé, mais je vois que les choses sont dans le bon sens. Et je crois que tout le monde, au lieu seulement d'émettre la critique négative, chacun aille à apporter Pierre Naïe, dès qu'on permettre un beau cannabis et matin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens disent Mobutu était dictateur, casquette ou la dictature, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, dictature, c'est un mot français. Toyo Garango, dictateur. Ben, moi, je crois que c'est Mobutu, en tant que visionnaire, il a été mal compris. C'est-à-dire, Ntambapé Saramutumsu, donc capacité Moroya Romola Makambu, que les gens, nécessairement pas tout le monde est à mesure de comprendre. Dictature, pourquoi? Dictature parce qu'il a imposé certaines choses, Oyo Lelo Eza bénéfique Nabisso, par exemple. C'est-à-dire, Mobutu, c'est d'abord un militaire. C'était d'abord un militaire. Soda a réfléchi à la civilité. Soda a zali na mandenge na ye amona ramakam. Et puis, a commis na pouvoir. A koutimboga divisé. A kouti okuna onga boyo, onga boyo, onga kuna mokondi boyo. Ah, puis non. Tous à la nano ici comme encore. Ma parti politique a nion surtout ou anani surtout beaucoup tanan. Tous à la nano ici comme encore. Yokuna osali pour yolini car osalaka car loko osamutwa Congo central au dirigé kan la Congo. Kenena encore dirigé non la Katanga. Ah mais polita moi qui n'attaque pas Bomoko, maman Bomoko, parti Bomoko. Et cette dictature t'es moi l'amboka. Mais naba lelo na voloba naba mboka belé lelo et commis na et commis lelo développé. Les gens ont un moment où ils se renferment pour ne pas mourir. Ils ont été obligés de faire un sacrifice pour ne pas mourir. Il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall, par exemple, excusez-moi. Il y a eu. Moi, je n'ai jamais entendu un Allemand à critiquer Hitler. Il ne les critique pas. Il a posé des actes qui ne sont pas, que tout le monde n'est pas d'accord, mais il a fait ce qu'il a fait. Je crois que Bissot, ce qu'ils ont traité de dictateur, ne l'ont pas compris. Mais aujourd'hui, je suis confiante que la plupart des gens, bah, mon acquis est dictateur, se disent que ils ont acquis peut-être compréhension à ma vie parce que ce qu'il a fait, certes, c'était un homme qui avait sa force, ses faiblesses, mais il a quand même travaillé à ce qu'il y ait cette unité. Oh, et sa force, la mission à Congo. Ni tété, cette unité. Bolingo, Tozanango, Torfanda, Wate, tout suite au Kabwana. Zoa Mikro, Nayo Kende, na Lubumbashi, Ata,
na Équateur, na Congo central, na Bandundu. Yebisa bango, yebisa muta Bandundu. To longwa na Congo ko ba noté. Pourquoi? Parce que ceux que tali na famille na yo. Otala nazana batu ya ya est combien? Nazana batu ya Congo central combien? Mais c'est ça la force du Congo. C'est ça la force du Alors, Congo. Alors s'il a travaillé pour que le Congo soit uni par naé. Par naé ezalaki ya ko sangisa mboka o ezala. Iboke moko. Et ma conduite baza koya mutula mutua zo sala pe par naé. Alors ça la par naé. Mais et donc on n'y est comme la cabine quand parce que les paroles ils allaient beaucoup à la question tout soit quand même ming et pas la population mon but a détruit ce pays. Bon les gens il a détruit ce pays mais on ne dit n'aloka badoloba il a détruit ce pays sans retenir bango il a détruit Nalikamboni. Qu'est-ce qu'il a mal fait pour que ce pays soit détruit? Je veux que bah énumérer un peu ce qu'il a fait de mauvais, moi je crois que. Bah, énumérer en gros. Et ça le rapporte d'ailleurs à Kaka. Il a mal géré, il a mal. Mobutu est arrivé, je le répète, dans un contexte de division, de guerre tribale, de guerre fratricide. Ceux qui ont retourné en Dakounde, ceux qui battent Bayo Kanite. Retourné en Bokande, ceux qui battent Bayo Kanite. Ah, Toyo Kananan. Les lois, tout ça, la guerre, na goma. Biso ben sous na gisa ça peut-être tout ça c'est n'gali pas. Na futanda ou na vous transporter. Bande quand la biso est pour na pour ça la bangue zani. Pas na kimia. Pour basa la bilanga. Pour na besoin de la activité na bango. Donc je crois que monte la moto. Azonga, atala. Contexte zani ni. Suko contexte zani ni. Contexte à peu de années zala kinini. Est-ce que Zali Malam ou c'est vrai ou faux que Toza Uni Namboka? Moi je le dis oui. Parce que ce qui nous a, personnellement, ce qui nous a inculqué, c'est les compétences. Mobutu, c'était les compétences. Mobutu, c'était. Yo Salarani, Ongan Azali, chimiste. Yaranan, l'exception, le Marambangwa chimie. Yo Zani, Ongan Azali, je Nasala géographie, Yaka. La prévision météorologique, Ongaï Nazali, journaliste, Yaka. Ongaï Nazali, grand politicien, Yaka. Ben, ce n'est pas quelqu'un qui veut faire développer son pays. C'est bien quelqu'un qui fait. Mais parce que quand on parle dans le contexte, ils allaient monter dans mon esprit, ils allaient. Quelle différence y a-t-il entre le régime Yamoubutu et le régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi et Tozali Nangolelo? Bokeseni, ils allaient wapi? Bokeseni. Ils allaient nini? Nakati, il y a deux régimes. Yamoubutu et Félix Antoine Tshisekedi et Tozali Nangolelo. Bon, différence, ils allaient. Moi, je ne parlerai pas de différence. Comme je l'ai dit, je parlerai plutôt dans le bas, plutôt les alliés complémentarité. Dans le bas, il y a continue surtout, si elles auront pouvoir dans le contexte de Moko, à Kouta Rambouk. Ou à Kouti Mboko, à niveau Moko, elles ont des défis, où il faut à ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait un chef de l'État, que ce soit le président Félix ou ma successeur, où il y a une idée que Abo Mamboka, non. C'est plutôt que le chef de l'État a un rôle, appelé sa ligne maîtresse. Il y a le gouvernement qui est là pour faire appliquer la résolution. Mais ce n'est pas facile toujours. Parce que ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas tout le monde qui répercute la volonté et achète l'État. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas, on peut avoir un gouvernement de 20 personnes, 10 peuvent le faire, 10 ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, je crois que c'est, s'il y a une différence, c'est aujourd'hui il y a plus de compétences que à l'époque de Mobutu. À peine on sortait de l'indépendance, il n'y avait pas tout ce savoir aux Ezali. La différence aux Ezali na sous aux Ezali na parce que na écoute plutôt la période à Mobutu. C'était lui qui dirigeait na oyo tozali awa, c'est le quota. Oh. Et il a quota pour diriger Mboka. Ben oui, parce que il y a l'union sacrée, ok. Mais le chef a zopé sa mot d'ordre. Quitte maintenant et à Moutounio, surtout à zo entouré
à faire respecter mot d'ordre naé. Il se bat pour ça. Ah ouais, à se battre, mais seulement démocratie et Elibiso, on croit toujours que le chef n'a pas raison. Bah, le chef, lui, le chef, ce n'est pas, comme Mobutu n'est pas un magicien. Mokondi est un magicien. Il a appelé Saraka à ligne de conduite. Kongai, yo, Motapusu, Motateka Ramapa, Motasara. Et c'est notre devoir, Yako, travailler pour que l'idée de l'année surtout est comme et se concrétiser. Nabanza a été Toko Kende pour qu'avant Toko Manamo parti à Souka. Mais Toko Tala, tout le monde a qui, la 26e commémoration, il y a Liwa, il y a Feu, Maréchal Mobutu, la cathédrale Notre-Dame, il y a Lingwala, et puis le président de la République a honoré la présence de Yé, la Requiem Wana. Les gens ont est-ce après, comme on a Lumumba, quand même, l'île on a eu à la rapatrier la République démocratique du Congo. Est-ce que bien nous pouvons aussi maintenir le président Félix Antoine Tshisekedi au moins honoré nous autres au Mobutu, les Libongo, na Mboka Maroc, na étranger, quand même vous rappelez qu'aux zones na Kati, Mboka na Yé, République démocratique du Congo, où ils allaient Zaïre na époque na Yé. Je crois que réponse à maman répond à qui hein, après ça qui mon point de vue na Yé, pour na les Camboana. Kozonga, écoutez, il y a quand même un préalable. Mais bon, déjà le président a honoré le fait qu'il vienne assister à la célébration, là, c'est déjà une reconnaissance. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre de plus là, il a. Donc, on a ça à Marambebele au Sala. Kozonga, un jour, oui, il faut qu'un jour, Mobutu Azonga en Bokao. Kozonga, à un moment opportun. Mais, reconnaissance à président Félix Ezali. Reconnaissance à président Félix Ezali. Ezali. Oui, vous allez pour le président Félix, tout le monde travaille contre le président Félix. On ne peut jamais. Moto à Saint-Bélaga. Tu as réformulé en une opposition, tu as une majorité. On ne peut pas. Et on a lobby, on a une opposition. Quand Mokondi Ezali a exposé Bino Baïdé Naïe, Bino, Moussa Bino, peut-être, il y a quoi aider pour nous reconcrétiser. S'opposer au président, non, on ne s'oppose pas. S'il faut aider, ceux qui osent à l'Ikambo Bakisa, qu'est-ce qu'on aide à Bakisa? Parce que là, le bar a toujours, moi, en tant que celui qui croit en Dieu, Moutou Azoun Dimanzambe, toute autorité vient de Dieu. Si un jour le maréchal a été chef de l'État, Azaki chef d'État par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le président, tu sais qu'il. Par la volonté à coup d'État, t'es. Mais, ils ont la coup d'État. Ils ont la. N'est-ce pas que Joseph a bénédiction à Esaü? Est-ce que Ezalaki dit Torlobani, Ezalaki coup d'État? Ah, nani. David a comme qui roi. Salomon a comme qui roi en dégaine. Ils ont Nzambi. Ah, donc même dans le coup d'État, nous n'avons pas d'aller. Même, quel que soit, moi je dis, je crois fermement, quel que soit le moyen, pour nous, au Koma, Mokondi, au diriger un pays, le Kolamboka, ceux qui nous ont intimité, au Koma. Mais ça, le bateau, tout le monde a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de mais est-ce que bon, surtout pour le Koma, il n'y a pas de. Donc, ceux qui m'ont dit, Azam Okondi Mboka, moi je crois que la première chose qu'on reconnaît, c'est ça d'abord, c'est parce que Dieu l'a. Donc, c'est que décidé. Laurent désirait comme président, Nzambe Azalaki. C'était la volonté de Dieu aussi. Joseph Kabila comme président. C'était aussi la volonté de Dieu. Félix Antoine Tshisekedi. Volonté à Nzambe. D'ailleurs, je suis mieux placé pour le dire. Je sais pourquoi je le dis. Le président Félix est là parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi? Ah, parce que je ne peux pas répondre à Marambo Nzambe. Oh, mais yo, vous allez mieux placer ou répondre. Mais ben répondre, la mission cassée. Oh, yo, mettez la mission, moi, tiens, vérité. Moi, Mathieu, à vérité, que j'ai assisté une fois la prophétie, Bazar au Pessa, Ndeko Mama. J'étais là à côté. Elle était partie pour Nali Kambo Moussousou. Mais tant où il y a posé problème Moussousou, il y a la prophétie, il y a la prophétie, il y a la réponse, il y a Moussousou. C'est-à-dire, il y a un peu de temps,
et que ça allait bien, tant que Tshisekedi est comme un chef de l'État. Je te parle. Non, allez-y, allez-y. Là, c'est vraiment confidentiel. C'est vraiment confidentiel, mais je le dis. C'est quelque chose que j'ai assisté en 2002. 2002. Alors, si je le dis aujourd'hui parce que j'ai expérimenté cette prophétie, je crois que elle l'a pas dit, mais moi, je peux vous le dire, elle a expérimenté ça. Ben, dans 2002, Ponaïe, c'était Papa Étienne. Ben, vous voyez. Mais dans la prophétie, on a dit tu sais qu'elle dit. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que la prophétie, c'était en 2019. C'est-à-dire pour te dire que moi, je sais que ce qui a commis chef de l'État, c'est la volonté de Dieu. Parce que j'ai été témoin. Tu as été témoin. Tokoubeta, moi, deuxième partie, avant que Toshite Nabisso, si la technique nous permet. Aujourd'hui, nous avons essayé de parler de la situation, mais ce qui t'occupe, résumé la situation politique à la République démocratique du Congo, les lots qui s'étendent vers les élections, message n'est occupé sur la population congolaise pour la belle élection, mais pour la mieux le 20 décembre 2023. Parce que tout comme on a le président de la République à quoi s'étendre vers deuxième mandat, où ils allaient valable à quoi les 14, où les capétés. Et puis ils ont député, où ils ont mis la population, puis à contester, à l'éliminer, à travailler pour la boulot de la population, de tout le monde clair. Ce que tout qu'on s'étendre vers ma bonne message qu'on a lancé dans le peuple congolais avant de remonter personnellement à Yomoko, la carrière. Ben, moi, je. Pour la population, aujourd'hui, les lots comme il a ma ponami. Il faut reprendre à ma côté. Mais quand Moussala Moutamoutasali, président Yohana Asali Moussala, il a quand même fait des réalisations avant ils allaient quitter. C'est-à-dire, il a lancé le programme il y a 145 territoires. C'est des programmes qu'il faut soutenir. Aujourd'hui, c'est quand même un des rares, comme l'a fait le maréchal, qui veut que la femme s'épanouisse, qui met la femme dans des fonctions éminentes quand même. Alors, je crois que moi, j'ai Nazara d'accord dès 5 ans, 10 ans, parce que je le dis, en 5 ans, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas tout faire. Nzamba Roupé, ça y est, il est sous deuxième mandat. On le laisse travailler parce que moi, je trouve qu'il se bat. Il se bat pas mal, beaucoup d'ailleurs, pour arriver à réaliser ce qu'il dit. Bien que ce n'est pas. C'est pas facile, hein. Les Batouba Jujaka, parce que Azota la musique, Azali le côté, Azali Boete, mais on est un pays sur le plan géostratégique compliqué. On est au centre de l'Afrique, dans un pays qui est envié, à qui on ne laisse pas tranquille, on ne laisse pas le temps de s'épanouir. Il faut tenir compte de tout ça. Et puis, Toutine a pandémie, à Covid. Je crois que s'il faut cohabiter sa population, ils allient qu'on peut s'aider opportunité. Ah si, ils sont au salon et à Bandaki. De fin de mission, surtout Nandako, de l'eau Covid, les alliés, crise, moko, les alliés mondiales. Ce n'est pas que au Congo que. Moi, je n'ai pas de ça, Ramosa. D'ailleurs, on va chuter par ça. Ceux qui sont députés, ils sont députés, ils sont députés. La population, si ils sont la maturité, ils sont députés. Choix à Bato Ezali, Ezali Bango Bakopona. Voilà, choix à Bato Ezali, Bango Bakopona. Ezali, beaucoup de messages ont lancé que la population est Bakosa, la choix est-il pour la législature Ezali, qu'il y a encore 5 ans. C'est pas moindre parce que le loyo, Batanyon se baille toujours à la qu'il est la politique. Na éviter ceux qui montent de politique et qu'on a tiré Batona Nini. 21 cas, tout palissade, tout Nini, avantage, na éviter, mais. Martinus m'a dit toujours à laquelle il est, mais quand on remonte sur vous, madame, quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, d'abord, Nazali, je ne fais pas de la politique déjà. Je suis entrepreneur. Moi, je la canne ici, Nikamboa, Martinus, tout bas comme un politicien, c'est parce que Ming va comprendre que
pona ko sali samboka oyo okoki pe kozala kaka te politicien parce que pona ngai ko sala politique c'est quand même une lourde tâche représenter ko lobela bato mais il faut aussi que nengo lobia il faut aussi que makambo yo la kaki bato wana okokisango même à 50%. Alors ceux qui au pays politique qui carapose à Ozoa Palissade carapose à avantage ce si on fait la politique pour $10,000 que ce soit je ne connais pas le montant exact il y a salaire il y a bateau mais je connais ko sunga ko yiko zala na ba makambo belé ko yiko sala o azali sireur a développé tirage moko spécifique à Kozombo. Oui, il y a des formules qui ne sont pas extra. Vous êtes bon? Bilanga. Tous les ans, il y a des gens au Congo. Donc, vous ne rêvez pas de la politique? En tout cas, ce n'est pas ça. Je ne dirais pas que je... Ah, ben oui. Je ne rêve pas, ok. Mais la vie nous amène toujours. Demain est un mystère. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, je suis là. Je parle entrepreneur. Vous entreprenez dans quoi? Je suis dans le secteur immobilier et énergie. Ah, donc en vous-même, vous avez deux entreprises. Exact. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est beaucoup, mais c'est des investissements. C'est, à un certain moment, on essaye toujours de faire, d'aider, d'apporter le peu qu'on a pour construire Kotongamboka. Bah, c'est des investissements, c'est pas facile, c'est un secteur qui n'est pas facile déjà, parce que vous investissez, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de compétences, en termes d'énergie, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais les loyaux, tout comme on a bandé Kwebele, qu'on est là, le problème est sous-traitance. Et quand tu as un entrepreneur, il y a un courant, il y a même si tu as dit que tu as un peu comme entrepreneur, mais il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des défis. Mais avant, il y avait des difficultés, des défis. Mais puis, nous, les entrepreneurs, nous avons un peu de temps, il y a une question de sous-traitance. Bon, ce secteur, Moko et Zali, bien parce qu'on ne peut pas. Dans l'entrepreneuriat, au cours dans le secteur, tu peux embrasser le secteur et l'aider. Je crois que le dernier président a passé une ligne de conduite pour encore régulariser le secteur. Voilà. Il faut revoir peut-être l'accord où ils allient entre les sociétés et les sociétés sous-traitées. D'un côté, il faut aussi co-accuser karaté la société et les sous-traités. Ceux qui ont sous-traité, déjà obtenir le marché, et ça, c'est compliqué. Quand tu entreprends à Congo, tu investis beaucoup d'argent que aux a même pas sûr que tout ce que au tché et kozonga, c'est des risques. Tu prends aux arabes risques. À un certain moment, Yomoro se retrouvait bloqué. La plupart, peut-être, il y a entrepreneurs se sont retrouvés à du marché, mais demander à préfinancer. Surtout ceux qui ont préfinancé, des fois, c'est de l'argent. Tamsusu, au tekimomo tukanayo, tamsu, au tekimo et lokomoro, zaki nango, au préfinancer. Tant aussi, ça, les moussala. Surtout, il faut pas foutre à eux, pour eux, au foot à bateau, tamsu, sur traitaki. Bon, il y a un problème, le niveau ana qu'il faut revoir. Je crois que ceux qui, le niveau ana est commis malam, nous tenons sur toi aux allant mesure, il y a quoi. Et puis qu'on serait, s'il y a des entreprises qui gagnent plus, qu'on ait besoin de régulariser pour n'avoir pas de sous-traitance. Parce qu'il ne faut pas dire que moi je sous-traite, que toi tu ne peux pas être sous-traité. C'est-à-dire, nga la cause de l'eau sous-traité. L'objet qu'on a eu, on peut sous-traiter. C'est que ceux qui m'ont à comprendre, c'est que yo peut sous-traiter. C'est que la seule chose que l'objet qu'on a eu, c'est marché dans le secteur où on a besoin d'experts. On peut sous-traiter. Voilà. C'est la complémentarité. Mais est-ce que déjà, au moins, parce que la difficulté, les alliés bélés, les défis, les alliés bélés, est-ce que vous avez déjà eu la main qui a l'État, au moins dans la société, aux alliés bélés? Oui, oui. C'est peut-être ce que vous avez déploré dans le secteur de la sous-traitance, c'est ça. C'est la présence politique
C'est-à-dire que tu peux, au gros, ça, le projet Moko, yo, yé, aux huit engagements, au sali, mais aux abutés, dans la politique, de, peut-être, l'autre buso, bah, tout ça, qu'on est là. Et pas à Moko Nzamboka, à tel que. En tout cas, avec un peu côté l'absolu Kambo, Nalikambo, il y a. Moi, so, au Komiawa, tu ne peux pas passer parce que tu n'es pas de telle couleur politique, parce que peut-être le politicien n'est pas d'accord avec toi. Donc, c'est tout, ce, tout ça qui nous amène à. Deux fois, tu mets beaucoup d'argent, mais on a bloqué. N'a pas partenaire au Memaki, n'a pas tout aux équipes d'engagement. C'est en tout cas ça plaidoirie n'a pas il y a est-ce que vous voulez l'appeler l'état quand même a tabino moi ma beaucoup parce que ça c'est difficile, c'est dur aussi. Oui. L'accompagnement à l'état parce que tout le monde est, il y a FPI qui accompagne, il y a aussi une société oiseau accompagné Fogec, voilà Fogec quoi accompagné ben entrepreneur les loups. Est-ce qu'il y a des poids des mesures tout ils allient vraiment réalité. Ben personnellement je ne suis pas entré en contact là bah structure voilà déjà ben donc il faut entrer pour faire des commentaires na évidemment est-ce que na ébis que ce que tout ce que j'ai entrepris vient de ce que j'ai eu à mettre de ma poche par-ci par-là mais c'est difficile quand même parce que c'est on vole les uns un peu lourd parce que c'est des politiques qui à un certain moment il y a toujours quelqu'un et bien c'est les au d'ailleurs moi dans le Congo capacité à vous bloquer pour la niniye pour la nini kakaye pour la niniye alors que et surtout en tant que femme c'est compliqué. On est dans la société Moko où on n'accepte pas que facilement que ce soit une femme qui travaille, que ce soit une femme qui est réalisée. Ça, c'est vraiment. Je crois qu'avec le temps, bah, peut-être qu'on bah, évolue pour nous remonter. Bah, maman, paye, hein, bah, ça rappelle Misala. Bah, ça rappelle la capacité à Osala à entreprendre, à Osala à projet Binene. Le maréchal Mobutu l'a fait. Il a nommé des femmes ministres. Le président, tu sais qu'elle le fait aujourd'hui, il y a une femme à la tête de la Banque centrale, il y a une femme à la tête du Conseil d'État, il y a des femmes ministres. Mais je crois que il faut qu'on revoie un peu moins côté macho, côté wana, dès le réseau, ça se passe. Surtout quand c'est une femme, c'est compliqué. Voilà. Nabanzaïté, ba Congolais n'y ont pas besoin de quoi qu'on a dans mon colonel. Message n'y occupe ça dans le peuple congolais dans l'ensemble. Et puis, message n'y occupe ça dans mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Congolais Télévision, je vous assure que, écoute, Aratine la présidence. Là, je vous assure et je vous rassure. Message n'y occupe ça dans la population congolaise, la président Félix Antoine Tshisekedi. Message à la population, Nabiso. Toza, Congo et Zama Bélé Nabiso. Mboka Nabiso. Quel que soit Bachibaba Kondio, on a besoin de la biso, tout l'inga bango, tout soutenir bango. Ils a, y a ramassé la moro facilité, mais ils a raka ramassé là y a chef de l'État. Ils a ramassé là y a Moutonio surtout azali congolais. Oh azana diaspora, oh azana village, oh azana Kinshasa, oh azana dans les grandes villes. Je crois que tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour na. Je crois que la plupart ya bamboko et bimi ezali ba compétences ya bato. Ce qu'on a maele, au lieu aux alaka ka opposant. Je crois que tu dois aussi fournir des bah apport na eux, ça va aider. Au chef de l'État. Ben, ce que je dirais déjà, il a déjà marqué le pas. En tout cas, dans sa politique, il a co-valorisé la femme. Ça, j'apprécie. C'est quelqu'un qui est. Babé est champion et a. Masculinité positive. La masculinité positive, c'est bien. On le soutient. Voilà. C'est, certes, on comprend que ce n'est pas facile d'être le chef de l'État du Congo. Mais qu'il continue à prier comme il a toujours fait.
Dieu va beaucoup l'aider. Voilà, na banza ite tokomi na suka émission, ils allaient partir mingi onga na lingara mingi. Parce que j'ai caché quelque chose, c'est un mystère. Mais mutuneza moko comme na yo boyezo ngala boye. Femme battante à la tête na actif na yo deux sociétés. Est-ce qu'il arrivera déjà un homme politique voudra aussi. Ouh, quelle question! Ben, je suis une femme. Mais c'est sûr.